La PDM est membre à part entière de la plateforme du secteur sanitaire privé qui organise Béné Santé depuis quelques années et nous sommes à l'édition 3 qui est Béné Santé 2023. Au cours de ce salon de Béné Santé 2023, les différentes entreprises membres de l'APDM vont exposer de nouvelles solutions liées aux problèmes de la santé. Et puis, ces problèmes seront exposés notamment, et ces solutions seront exposées notamment aux partenaires tels que les cliniques privées, tels que les hôpitaux, les partenaires techniques et autres. Et c'est dans le but d'améliorer le plateau technique de nos hôpitaux et la qualité des soins également dans ces hôpitaux. Donc nous invitons massivement le public, nous invitons les partenaires à venir massivement visiter les différents stands qui seront pris par les entreprises afin d'exposer les équipements dispositifs de nouvelle qualité et de nouvelles innovations. Il y aura des tables, mais nous sommes aussi en partenariat avec, et c'est ça le sens du partenariat public-privé dont parlait tout à l'heure et la présidente et le secrétaire exécutif. Le programme national de lutte contre les maladies non transmissibles va développer plusieurs aspects du système de prévention, de prise en charge, de lutte contre les maladies non transmissibles. Ça va couvrir vraiment quasiment toutes les trois journées. Donc c'est un partenariat assez fort. Nous vous invitons vraiment à être là. Il y aura, comme l'a dit le secrétaire exécutif, des masterclass sur les thématiques purement vraiment médicales, et afin que, du point de vue effectivement de la recherche de l'excellence, les experts qui seront là puissent échanger et produire des recommandations, des plaidoyers, afin que ce système sanitaire privé que nous représentons à travers la plateforme du secteur sanitaire privé puisse se renforcer et continuer effectivement son cheminement dans un continuum d'excellence, de recherche effectivement de solutions durables pour une résilience qui va traverser vraiment les générations. Les premiers gestes de secours, ça, il y aura un atelier ou plusieurs ateliers qui sont animés au cours de ces journées à ce propos. Donc, en gros, venez vraiment participer à ces journées. Venez participer vraiment les 13, 14 et 15 à ces journées de la plateforme du secteur sanitaire privé pour renforcer le système sanitaire de notre pays et particulièrement le système sanitaire privé. Béné Santé mobilise des participants de certains pays, notamment le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Burkina Faso, le Sénégal, et d'autres encore qui sont dans la sous-région. Donc il y a plusieurs pays qui se mobilisent, le Mali, plusieurs pays qui se mobilisent pour participer à cet événement Béné Santé du 13 au 15 avril prochain. C'est pour dire que Béné Santé n'est pas un événement seulement national, mais c'est un événement qui a un caractère un peu sous-régional, qui regroupe les acteurs aussi bien nationaux que des acteurs au niveau sous-régional. Donc voilà un peu, il y a des acteurs, des participants qui viendront même au-delà de l'Afrique, il y a la France, il y a d'autres qui viendront. Donc c'est pourquoi nous exhortons souvent les Béninois à participer massivement à cet événement. Si cet événement a d'intérêt qui attire les autres pays de la sous-région, nous, Béninois, il faut que nous fassions l'effort de pouvoir participer massivement pour pouvoir profiter de tout ce qui a été égrené tout à l'heure par la commission scientifique, le président de la commission scientifique, en termes de formation, en termes de communication scientifique, pour nous mettre à jour des informations nouvelles sur le secteur. C'est ça qui nous rendra vraiment très actifs, qui nous permettra de fournir des services de qualité qui sont réellement aux normes. C'est seulement 10 000 francs pour les 3 jours. 10 000 francs seulement pour ceux qui sont des acteurs
de la plateforme, ceux qui sont dans des associations qui paieront 10 000 seulement. Et pour les autres qui sont invités, c'est seulement 20 000 francs pour les 3 jours. Tout compris. On a ramené les tarifs très bas pour permettre à un grand public de pouvoir assister à l'émission de la santé.